Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue à notre stream hebdomadaire du mercredi, où nous faisons la revue d'une plateforme DeFi, d'une plateforme décentralisée, donc qui offre des services financiers totalement de façon décentralisée, quoi. Voilà, sans institution centralisée, sans institution tierce, et qui met en relation les utilisateurs à ces différents services. Alors, bienvenue à tous. Et déjà, dites-moi dans les commentaires d'où est-ce que vous me suivez et dites-moi si vous me recevez bien. Si la réception elle est bonne ainsi, est-ce que vous me voyez bien la vidéo, la réception vidéo, la réception audio, est-ce qu'elle est bonne, s'il vous plaît? Voilà, bonsoir, Madère. Encore quelques minutes, le temps que je vérifie certains détails techniques et on commence. Mais dites-moi déjà si vous me recevez bien et d'où est-ce que vous nous suivez, quoi. Un instant, je reviens tout à l'heure. Voilà. Alors, bonsoir, Pamoussa depuis Cotonou. Merci pour le retour. Et il n'y a que le retour de Pamoussa que j'ai. Mais j'espère que c'est bon pour tout le monde. Du moins, sur ceux qui sont là. J'espère que vous me recevez bien, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Déjà, mettez un j'aime à cette vidéo et partagez-la à ceux qui s'intéressent aussi à la crypto comme vous. Histoire de leur permettre aussi de découvrir ces genres de contenu et que ça leur soit aussi profitable. Donc, voilà, encore une minute et on commence. Voilà. Là. Ouais, salut Fiat Plus. Merci, je me porte bien aussi, merci beaucoup. Et bonsoir Eric. Voilà. Alors, je vais d'ores et déjà partager mon écran et vous me direz si vous voyez, si vous le voyez, si c'est bon. Alors, partager l'écran.
Voilà. Là, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? OK. Là, vous voyez bien le dashboard de Vénus, n'est-ce pas? OK. Donc, si c'est bon, je pense qu'on va y aller directement. Alors, rebonsoir déjà, les amis. Ce soir, on va parler d'une plateforme un peu spéciale qu'on retrouve dans la DeFi, donc dans l'environnement de la DeFi, qui s'appelle Vénus. Donc, c'est quoi Vénus? Vénus, le protocole Vénus, c'est une plateforme de lending et de borrowing. Je vais expliquer ces deux termes. Le lending, c'est quoi? C'est le fait de prêter son ou ses actifs crypto directement de façon décentralisée sur des plateformes comme Vénus. Donc, ça s'appelle le lending. Quand on fait un lend, ça veut dire qu'on prête, c'est-à-dire on met à disposition d'autres utilisateurs ses actifs et on perçoit des intérêts dessus. En fait, voilà. C'est comme placer de l'argent à la banque, mais sauf que à la banque, c'est plutôt la banque qui vous prête de l'argent. Mais ici, c'est vous qui prêtez plutôt de l'argent à d'autres utilisateurs comme vous qui ont besoin de liquidités pour aller investir sur d'autres actifs crypto aussi. Donc, c'est ça le lending. Maintenant, contrairement au lending, il y a le borrowing qui est le fait d'emprunter maintenant de l'argent, des fonds à d'autres utilisateurs qui ont mis à disposition de la plateforme où vous vous trouvez leurs fonds dont ils n'ont pas peut-être forcément besoin et qu'ils ont soumis, qu'ils ont placé sur la plateforme. Donc, pour percevoir des récompenses, des intérêts dessus, selon le taux qui est proposé, quoi. Voilà. Donc, en gros, Vénus Protocol, c'est un marché où on retrouve des prêteurs et des emprunteurs qui mettent ensemble leur liquidité, leurs fonds pour permettre à d'autres utilisateurs, donc de les utiliser par rapport en fonction du service auquel ils veulent souscrire. Donc voilà un peu de base le fonctionnement ou bien l'idée derrière une plateforme de lending. C'est-à-dire ça sert à prêter de l'argent d'un utilisateur A à un utilisateur B ou contrairement d'un utilisateur B à un utilisateur A et ainsi de suite. Donc ce sont les deux services principaux qu'on retrouve sur une plateforme de lending. Voilà. Mais pour que ça soit plus pratique, pour que ça soit plus concis par l'explication que je donne, on va passer à la pratique pour que vous compreniez un peu mieux de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de lending ou de borrowing. Voilà. Donc jusqu'ici, j'espère que vous me recevez bien et que la communication passe bien. Voilà. Ce soir, heureusement, j'ai une très bonne connexion et je pense pas qu'on sera dérangé. Contrairement au live passé, ce soir, je bénéficie d'une bonne connexion et c'est pour la bonne cause, c'est bien. Je suis content. Alors, cette plateforme Vénus, on la retrouve où? Après avoir expliqué le fonctionnement basique de Vénus. On retrouve Vénus sur le réseau Binance Smart Chain, c'est-à-dire sur la blockchain Binance Smart Chain, où ceux qui ont des fonds sur la Binance Smart Chain viennent sur les marchés de Vénus pour prêter leur argent à d'autres utilisateurs, ou bien soit emprunter des fonds à d'autres utilisateurs qui ont mis leur patrimoine dessus. Donc voilà un peu. Et en dehors de la Binance Smart Chain, Vénus, on ne peut pas le trouver ailleurs. Et bien sûr, bon, aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont cross-chain, dans le jargon cryptographique, on les appelle comme ça. Ce sont des plateformes qui regroupent à la fois, c'est-à-dire, bon, qui regroupent plusieurs blockchains. On peut retrouver, des fois, on peut retrouver de l'Ethereum. Le réseau Etherscan, on peut retrouver le réseau Polygon, on peut retrouver le réseau Binance Smart Chain, ainsi de suite. C'est comme
C'est comme la plateforme AAV, c'est une plateforme de lending aussi qui s'est construite sur Ethereum et on le retrouve aussi aujourd'hui sur Avalanche et puis Polygon. Donc, si vous allez sur AAV Protocol, donc c'est une plateforme aussi où on fait le lending et le borrowing d'actifs crypto. Et ça se retrouve, on peut le retrouver sur Polygon et sur AVAX aussi. Mais pour notre exemple de ce soir, on va se concentrer uniquement sur Vénus, puisque on est sur la Binance Smart Chain. Et si vous avez remarqué depuis qu'on a commencé cette série de live, on est plus sur la Binance Smart Chain parce que c'est le réseau, disons, un peu de base aujourd'hui ou bien de référence. Auquel on pense premièrement quand on veut faire de la DeFi. C'est vrai qu'il y a d'autres réseaux qui viennent, mais c'est selon la connaissance et puis l'utilisation que chacun fait de la DeFi. Ou bien sur quelle plateforme il se retrouve le plus. Pour moi, pour ma part, moi je me retrouve plus sur la Binance Smart Chain que sur Ethereum ou bien que sur Avalanche par exemple. Mais ce n'est pas pour dire que la Binance Smart Chain elle est meilleure. Ou bien elle est plus performante que les autres blockchains, mais c'est juste que c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Donc, et c'est sur ce réseau aussi que notre projet Kabola se lance. Et du coup, on va pas, je ne suis pas parti loin. Donc, je préfère, dans un premier temps, partir de la Binance Smart Chain et puis monter graduellement après et sur les autres réseaux qui permettent de faire de la DeFi aussi. Voilà. Donc, j'espère que jusqu'ici ça va. Et on va maintenant de façon pratique voir certaines fonctionnalités d'une plateforme de lending. OK, déjà, présentation sommaire de l'interface de Vénus. Quand on va directement sur Vénus, qu'est-ce qui nous tape à l'œil? Il y a l'encart ici où on voit les fonds qu'on a lendés, c'est-à-dire qu'on a prêté la balance, notre solde, on le voit sur le côté gauche ici et sur le côté droit, on voit le total ou bien la balance, le solde de ce qu'on a emprunté. Donc, si on n'a rien emprunté, ça reste à zéro. Et si on a juste prêté ses fonds à la plateforme, on les retrouve ici. Ouais. Et le cercle au milieu, c'est le cercle réservé au taux d'intérêt qui est appliqué sur le prêt ou l'emprunt que vous avez fait. OK, tout est récapitulé ici et vous pouvez voir tous ces détails après. Et donc, ici, ça, c'est l'adresse que je vais utiliser donc, pour faire la présentation ce soir. Et je l'ai déjà connecté par MetaMask, via MetaMask à Vénus. Et donc, ce sera plus rapide comme ça. Et Vénus permet non seulement de faire beaucoup de choses, hein, elle permet de faire non seulement du lending et du borrowing, on va le voir tout à l'heure, mais elle permet de faire beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire que si on prend la fonctionnalité Vault, par exemple, le Vault, il s'agit d'un contrat spécial où vous mettez une certaine quantité du token de gouvernance de la plateforme pour gagner un autre token supplémentaire. C'est une forme de staking. Mais une forme de staking directement sur le contrat, sur un contrat spécial qu'on appelle un vault, sur la plateforme sur laquelle vous vous retrouvez. Okay? Donc, le token devenu, ça s'appelle le XVS. Ici, vous voyez, on dit stake XVS, NXVS. Okay? Si vous avez du XVS qui est le token de gouvernance de la plateforme Vénus, vous pouvez le staker et donc gagner un certain. Un APR, selon ce que vous voulez, hein, bien, l'APR qui est proposé par la plateforme, si ça vous intéresse, vous le faites. Et vous pouvez aussi staker le VAI, qui est plutôt le stablecoin, c'est-à-dire le stablecoin qui de la plateforme Venus, que vous pouvez staker et puis gagner en retour aussi du XVS. Donc, ce sont des formes d'investissement passif, donc qui vous permettent d'avoir des revenus passifs juste en mettant vos fonds là-dessus. Voilà. Alors, on va revenir sur le dashboard. Je vais vous montrer déjà les marchés sur lesquels on va opérer pour pouvoir faire du lending et du borrowing.
Voilà. Donc, selon l'actif dont on dispose, on peut venir sur Vénus donc pour faire le prêt et ou l'emprunt. OK? Comme j'ai connecté mon wallet à Vénus, il a recensé tous les actifs que j'ai. Et là, vous voyez que j'ai du BUSD à hauteur de 135 unités, donc 135 BUSD, et du BNB, j'en ai 0,04. Donc, ça, ce sont les deux actifs dont je dispose sur mon wallet MetaMask, OK? Donc, en fonction de l'actif dont vous disposez, vous pouvez venir ici et par rapport au taux qui est pratiqué, si cela vous convient, vous venez et vous empruntez, et vous prêtez plutôt. Là, on est sur le marché du prêt, c'est-à-dire supply market, c'est-à-dire le marché où on retrouve des actifs, où vous pouvez prêter vos actifs, voilà. Et contrairement au supply market, on a le borrow market que je vais aborder aussi tout à l'heure. Donc, je vous disais donc que les actifs, selon l'actif dont vous disposez, le ou les actifs dont vous disposez, vous pouvez venir ici sur Vénus et donc, et en fonction du taux aussi qui est proposé, si ça vous convient, vous prêtez donc vos actifs à la plateforme et vous gagnez des intérêts dessus. Donc, si je dispose de l'USDT, par exemple, je le mets. Si je dispose de l'USDC, je le mets aussi. Et en fonction du taux proposé, je choisis voilà, ce qui me convient le mieux, quoi. Ici, j'ai du BUSD. Donc, sur le BUSD, il propose du 7% l'année, voilà, en intérêt cumulé. C'est-à-dire, si je laisse mes BUSD une année durant sur Vénus, sans les toucher, ils vont se cumuler à chaque fois et ça va me donner un intérêt annualisé de 7%. Okay. C'est pas énorme, mais c'est mieux que le livret A pour ceux qui connaissent quand même. Voilà. Donc, au lieu de détenir seulement vos cryptos sur vos wallets et de les holder seulement, vous pouvez utiliser des plateformes comme Venus, donc pour les prêter à d'autres personnes qui en ont besoin et donc vous gagnez des intérêts dessus. Et donc, si c'est du BNB que vous avez, vous le mettez. Si c'est du XVS, si c'est du BTCB, etc., etc., etc. On va pas tout lister, mais etc. Donc, pour ceux qui ont du cake, par exemple, le cake, voilà, le taux est assez énorme, 23%. Mais sur la plateforme PancakeSwap elle-même, c'est un peu plus supérieur. Mais c'est à vous de voir, quoi. C'est à vous de voir où est-ce que vous trouvez le mieux de placer vos actifs ou pas. Mais pour l'exemple de ce soir, on se concentre donc sur la plateforme de lending qui est Venus. Maintenant, ça, c'est pour le supply market. C'est là où vous allez pour prêter votre crypto. Maintenant, pour le borrow market, c'est là où vous venez pour emprunter maintenant à d'autres utilisateurs qui ont mis des fonds sur Venus, les actifs dont vous avez besoin. OK? Ici, là, si je veux prêter, par exemple, de l'USDT. Je peux venir et puis je le mets. C'est à taux négatif ici. Voilà, mais à vous de voir, quoi. En fonction, si vous pouvez, par exemple, vous avez du BNB et que vous ne voulez pas forcément le vendre et puis récupérer l'argent en one shot, en une fois, vous pouvez venir ici, donc, supply votre BNB et donc emprunter de l'USDT ou bien encore du BNB, voilà, si vous le voulez, et faire les opérations que vous avez envie de faire sans pour autant liquider votre actif crypto que vous avez emmené sur la plateforme. Ouais. Donc, c'est un peu l'avantage principal des plateformes de lending où si vous n'avez dans le cas où vous n'avez pas forcément besoin immédiatement de votre actif, vous pouvez le laisser ici sur Vénus au lieu de le laisser sur votre wallet et de ne rien percevoir dessus. Donc, voilà. Donc, en gros, ce sont les marchés qu'on retrouve sur Venus, Supply Market et Borrow Market, en fonction du service que vous voulez. Si c'est pour emprunter de l'argent à d'autres utilisateurs, vous venez sur Borrow Market. Et si c'est pour prêter plutôt votre crypto à d'autres utilisateurs, donc vous venez sur Supply Market et vous le faites. Voilà, maintenant, trêve de bavardage. Bon, encore une fois, encore un petit détail. On va voir déjà le marché total, hein, la total supply, la liquidité totale qui est lockée sur Vénus.
Ouais, qu'aujourd'hui, c'est une plateforme très utilisée où il y a beaucoup d'utilisateurs qui viennent mettre à disposition de la plateforme leurs fonds. Et donc, c'est très dynamique. Et quand on va sur DeFi la main, c'est-à-dire, c'est une sorte d'encyclopédie qui recense les plateformes qui opèrent sur les blockchains existantes, que ce soit Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain, etc. C'est une sorte d'encyclopédie DeFi où vous allez pour checker les informations selon les différentes plateformes qui opèrent dans cet environnement. Maintenant, dans le top 3 de la Binance Smart Chain, c'est-à-dire les plateformes qui opèrent le mieux, qui ont plus de liquidité sur la Binance Smart Chain, en deuxième lieu, on a la plateforme Venus, donc qui est une plateforme de lending où la liquidité totale, donc vous voyez, c'est à 3 milliards. Okay, 3 milliards 172 millions et quelques de dollars. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de cash là-bas et en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez aller checker aussi gratter des intérêts là-bas et avoir une petite partie, une petite ou une grande partie du gâteau qui est partagé ici. Voilà. Alors, comme j'ai dit, trêve de bavardage. On va passer à la phase pratique où je vais vous montrer comment on fait pour prêter ou emprunter un actif sur Venus. Jusqu'ici, j'espère que ça va, les amis. Faites-moi un retour. Dites-moi si l'explication, elle passe bien. Voilà. Faites-moi un retour, s'il vous plaît, les amis. Et puis, likez et partagez toujours à d'autres personnes, mais dans vos différents groupes, que ce soit sur Telegram. Ou bien sûr Telegram, ou bien sûr WhatsApp, ou est-ce que le réseau social où vous vous trouvez. Sûrement, il y a quelqu'un qui a besoin de connaître la plateforme Venus, ou bien d'avoir affaire à ce genre de contenu, et donc évoluer aussi en connaissance en matière de crypto-monnaie. Salut, Baby Dal. Voilà. Merci pour le retour, Edic. Et donc, comme je disais, on va passer à la phase pratique et je vais vous montrer comment on fait pour pour prêter ces cryptos et en emprunter aussi. Alors, l'explication passe bien, mais j'aurais bien voulu connaître les colonnes de l'onglet Market. Quand tu parles des colonnes de l'onglet Market, ah, les colonnes, ouais, les colonnes, elles sont simples à avoir. Quand on prend l'actif de l'USDT, par exemple, la total supply, c'est-à-dire la liquidité totale, ou bien la quantité totale d'USDT qu'on retrouve sur Venus, donc, c'est de 275 millions d'USDT. Okay? Donc, la valeur en cash, c'est ici 275 millions de dollars qu'on a en matière d'USDT. Maintenant, le supply APY, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt qu'on gagne sur l'année quand on supply, c'est-à-dire quand on provide. Il y a un peu d'anglicisme, mais excusez-moi. Quand on soumet son patrimoine crypto, bien ses cryptos, à la plateforme Venus pour gagner cet intérêt-là. Donc, voilà un peu pour l'USDT. Et puis, le total borrow. C'est-à-dire que ça, c'est en fait, ça, c'est tous les USDT qui ont été prêtés à la plateforme. Hein. Tous les USDT qui ont été prêtés par les utilisateurs à la plateforme. Maintenant, ça, ce sont les USDT qui ont été empruntés par d'autres utilisateurs à la plateforme, qui ont été empruntés. C'est-à-dire, il y a un utilisateur, il y a une communauté d'utilisateurs A qui est venue au niveau du supply, au niveau du lending, donc qui ont soumis leur USDT à la plateforme. Et il y a une autre communauté d'utilisateurs B qui sont venus en emprunter donc une partie des USDT qui ont été mis là. Donc, quand on fait la différence, on voit qu'il y a un écart de près de 40, 48, 47 et quelques sur la liquidité totale. Okay? Donc voilà un peu. Voilà un peu. Et voilà, le borrow APY, ça, c'est le taux d'intérêt
quand on emprunte des USDT à la plateforme, okay, c'est un taux d'intérêt négatif, c'est-à-dire où on emprunte à taux négatif. Et donc, je pense que c'est ouais, c'est un peu ça. Ouais, on emprunte à taux négatif et c'est dans le rouge, quoi. C'est en moins. Et je pense que c'est... Je ne sais pas comment interpréter ça, mais sûrement, je pense que c'est avantageux pour ceux qui empruntent et ce n'est pas bon pour ceux qui prêtent plutôt. Voilà. Donc, voilà un peu les colonnes. Sur chaque actif, il y a la liquidité déjà, la liquidité de la communauté A qui prête, qui est recensée ici, son taux de rémunération, la communauté B qui a emprunté des BUSD, ici en l'occurrence des BUSD à la plateforme, et etc., etc. Okay? Donc, quand on prend n'importe quel actif, c'est toujours la même interprétation, la même analyse, et jusqu'en bas ici. Donc, voilà pour les colonnes. J'espère que c'est bon. Voilà, donc ceux qui empruntent payent des intérêts, donc rouge, voilà. OK, donc les amis, on passe à la phase pratique. Maintenant, je vais vous montrer... comment est-ce qu'on fait pour emprunter et prêter du cash sur Vénus. Et après, on va faire aussi un point sur la liquidation. Okay? C'est la liquidation, bien sûr, le fonctionnement même de la plateforme ou bien du processus de lending ou de borrowing. Comment est-ce que les calculs se font derrière ou bien comment est-ce que l'algorithme fonctionne derrière? Parce qu'il n'y a pas un humain derrière qui vient vérifier si vous avez la quantité requise pour faire un emprunt. Et ainsi de suite, OK? Alors, j'ai déjà connecté mon wallet MetaMask à Vénus. Donc, vous voyez, j'ai 135 BUSD ici de disponible et j'ai du BNB pour payer les frais de gaz. OK, maintenant, je veux prêter à la plateforme mes BUSD. Donc, je viens sur Supply Market. Hein, je viens sur Supply Market et je choisis les BUSD, OK? Maintenant, l'interrupteur qui est ici, actuellement, c'est désactivé. Mais quand je vais l'activer, ça va me demander de confirmer, de soumettre une autorisation pour confirmer l'utilisation de mes BUSD en tant que collatéral. Ce qu'on appelle collatéral ici, c'est ce que vous mettez, c'est le capital que vous mettez à disposition de la plateforme, OK? C'est ça qu'on appelle le collatéral. Voilà. Donc là, vous voyez pas mon écran, je pense pas, puisque je suis en mode plein écran, en fait. Du coup, le MetaMask, la fenêtre d'activation au niveau de MetaMask a masqué un peu l'écran, mais je suis revenu là. Donc, je viens de confirmer la transaction sur Vénus et je dis sur Vénus, sur MetaMask et on attend que la blockchain l'exécute. Donc, ça a été confirmé et donc, vous voyez, l'interrupteur a été activé ici. Il a été activé. Donc, cela veut dire tout simplement que j'ai autorisé le smart contract de Vénus à utiliser mes fonds. Voilà. Maintenant, je vais soumettre maintenant mes fonds à la plateforme. Si je clique sur le BUSD, bon, déjà, le taux d'intérêt, c'est à 7% sur l'année en mode cumulé. Voilà, c'est pas mal du tout. Voilà. Et donc, je viens ici pour autoriser encore une fois. Voilà, j'autorise encore une fois le smart contract à utiliser maintenant mes fonds en tant que collatéral. Je suis en train de valider la transaction sur MetaMask un instant. Ça me coûte 17 centimes. Voilà, déjà, je n'ai pas encore gagné des intérêts, mais déjà, je paye le réseau avant que mes fonds soient pris en charge par la plateforme. Voilà. Donc, maintenant, comme si je veux, soit je peux sélectionner tout le solde, hein, la totalité de ma balance, et je la soumets, ou soit une partie
50%, 25%, 75% du solde en fonction de ce que je veux mettre. OK? Mais moi, ici, je n'ai pas forcément besoin des BUSD. Donc, je décide de mettre tout. OK? Je décide de mettre tous mes BUSD. Et quand je décide de mettre tous mes BUSD, il y a le récapitulatif de l'action, bien de la stratégie là, qui m'est communiqué ici. On me dit, si je supply maintenant mes BUSD, je vais gagner 6,25% sur du BUSD. Et je vais recevoir en plus de ça, je vais recevoir en plus de ça une distribution de XVS. Donc, il y a le token de gouvernance de Vénus. Et je serai rémunéré en XVS à hauteur de 0,79%. Ouais, donc, en plus de percevoir un intérêt sur du BUSD, je perçois aussi un intérêt sur le token de gouvernance de la plateforme. Voilà, je gagne doublement, quoi. Et là, on voit borrow limit, c'est-à-dire que comme j'ai mis en collatéral, j'ai mis mon capital que j'ai soumis à Vénus en collatéral, je peux emprunter jusqu'à 108%. J'ai dit 108%, à 108 dollars. C'est-à-dire, je peux emprunter, en fonction des 135 que j'ai mis là, je peux emprunter à hauteur de 108 dollars pour utiliser ça pour l'utiliser sur une autre plateforme, par exemple, pour aller acheter soit du Bitcoin ou bien soit de l'Ethereum. Peu importe ce que je veux faire avec, je peux en disposer en toute liberté, OK? Et donc, je décide maintenant de supply la totalité et je vais le valider, je vais valider la transaction sur MetaMask. Ça charge, OK. Voilà. OK, ça vient d'être confirmé et ça va se mettre automatiquement à jour ici. Vous voyez, je viens de supply mes 135 dollars de BUSD et vous voyez, je vais commencer déjà directement par percevoir des intérêts d'ici. Donc, là, le petit encart jaune ici qu'on voit, ça me récapitule le seuil. Le seuil d'emprunt que je peux faire par rapport au collatéral que j'ai mis. Donc, ce qui voudrait dire que plus je mets de collatéral, plus mon seuil de prêt augmente. Okay? Si je décide de mettre, par exemple, 1000 dollars ici, vous voyez que ce sera plus le seuil d'emprunt que la plateforme va me mettre ici, ce sera plus 108, mais ça va augmenter en fonction du capital que j'ai mis en collatéral. Voilà. Voilà un peu comment ça fonctionne. Maintenant, il y a une information importante que je vais communiquer après sur le borrow. C'est-à-dire quand je vais décider d'emprunter à la plateforme, là, j'ai prêté à la plateforme. Mais quand je vais décider d'emprunter un autre actif ou bien encore, ou soit l'actif que j'ai soumis, le BUSD, vous voyez que vous allez voir que la barre ici va se mettre à bouger. Et ça va me donner le montant quand même que je vais emprunter ici. Ça va me récapituler ça ici. Et en fonction du seuil là, si je dépasse le seuil là, ou bien si je me retrouve à s'approcher un peu plus trop, un peu trop de ce montant, de ce solde, je pourrais être liquidé. Ça, c'est ce qu'on appelle la liquidation. La liquidation consiste en fait que il y a pas un être humain derrière. C'est pas comme un banquier qui, quand il t'emprunte de l'argent, il va vérifier après si tu as les conditions requises, si tu peux vraiment rembourser ton emprunt. Ici, c'est un calcul mathématique et en fonction de ce que vous mettez comme collatéral, vous pouvez emprunter jusqu'à hauteur de 75% du montant que vous avez emprunté, que vous avez prêté à la plateforme. Si je décide de mettre 100 dollars aujourd'hui, sur la plateforme. Supposons que j'ai mis 100 dollars. Donc, je peux emprunter à hauteur de jusqu'à hauteur de 75, hein, 75 dollars. Et les 25% restants, je peux pas aller au-delà, quoi. C'est-à-dire que si je me retrouve à aller au-delà des 75% et au-delà, je pourrais être liquidé. Parce que le calcul mathématique derrière
autorise seulement l'emprunt jusqu'à 75 ou 80% maximum du collatéral qu'on a mis. Okay? Donc ça, c'est un facteur dont il faut être informé et auquel il faut faire très attention quand on décide de faire le lending ou bien le borrowing sur une plateforme de une plateforme DeFi quoi qui le permet. Donc jusqu'ici, est-ce que l'action où j'ai supply le market, est-ce que ça a été clair? Où j'ai soumis mes BUSD à la plateforme, est-ce que ça a été clair? Faites-moi un retour dans le chat. Voilà. Bonsoir Anna. Bon, est-ce que l'action que je viens d'effectuer tout à l'heure pour le supply, est-ce que ça a été clair? C'est-à-dire que vous allez, quand vous décidez de supply, hein, de soumettre vos fonds à une plateforme de lending, il faut d'abord autoriser l'utilisation de cet actif en tant que collatéral. Donc, vous voyez l'interrupteur ici, il est activé. Et si je décide de désactiver ça, il va me demander de valider une transaction sur MetaMask aussi. Voilà, pour désactiver mon wallet ou bien mes fonds en tant que collatéral. OK? Mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire puisque je viens juste à peine de soumettre ça comme collatéral. Donc, je vais pas me tirer une balle dans le pied en retirant directement. Parce que tous ces processus-là, il faut payer des frais de transaction. Donc, j'ai déjà payé, je crois, plus de bientôt 55 centimes à la Binance Martin, mais j'ai pas encore gagné ces 50 centimes-là. OK? Donc, évitez de faire des allers-retours assez brusques quand vous décidez de, quand vous avez affaire aux plateformes DeFi, quoi. Parce que plus vous faites des allers-retours, plus vous payez des frais de transaction. Plus ces allers-retours sont fréquents, et plus vous allez payer des frais à la plateforme. Vous allez vous appauvrir au profit de la Binance Smart Chain, quoi. C'est un peu ça. Donc, je viens de faire le sort, je viens de faire le prêt, donc le lending. Maintenant, je vais faire l'emprunt. Je vais emprunter maintenant un autre actif, soit du BUSD ou bien un autre actif, pour vous montrer aussi comment ça se passe. Alors, je peux emprunter. Alors, dites-moi, quel est l'actif que vous voulez que j'emprunte ici? Je ne sais pas moi. Je vous laisse choisir. Hein. Quel est l'actif que vous voulez que j'emprunte ici? Il y a des stablecoins, il y a USDT, USDC, BUSD, il y a des actifs volatiles, de SISP, du BNB, du USVS, du BTCB, des Ethereum, Litecoin, etc. Quel est l'actif que vous voulez que j'emprunte? Il y en a qui me disent le Tron, le LTC. Excusez-moi. Mais si j'emprunte du Tron, du LTC, là. Vu que ce sont des actifs volatiles, vous ne voyez pas que je serai exposé au marché. Je serai exposé à la fluctuation. Hein? Je serai exposé à la fluctuation du marché. Ouais. En fait, une petite astuce que je vais vous donner, quand vous empruntez un actif hein, donné à la plateforme et que que vous voulez emprunter après, essayez d'emprunter dans le même actif pour ne pas être exposé à la volatilité du marché. Du fait que quand l'actif va monter, hein, la valeur de votre collatéral va augmenter et vous n'allez pas être impacté au niveau de ce que vous avez emprunté à la plateforme. C'est-à-dire que quoi? Si je décide de prêter, si je prête par exemple du BNB à Vénus et que le BNB coûte par exemple 500 dollars, hein, BNB coûte ces 500 dollars, et que j'ai prêté un BNB à Vénus. Maintenant, pour le côté emprunt, si je décide d'emprunter
Comme je ne peux qu'emprunter jusqu'à 75% ou maximum 80% de la valeur que j'ai soumise, donc je peux prêter à hauteur de 0,75 BNB ou 0,8. Et donc, vu que j'ai prêté et emprunté le même actif, je ne serai pas exposé à la volatilité de cet actif, puisque quand le BNB va augmenter, la valeur de mon collatéral, de mon prêt que j'ai fait à la plateforme Vénus, ça va augmenter aussi. Et l'emprunt que j'ai fait aussi, ça va augmenter, la valeur va augmenter, mais je ne serai pas soumis à un actif différent, puisque j'ai choisi le BNB comme actif d'emprunt et puis actif de prêt. OK? Donc, si ça monte, si la valeur du BNB monte, mon portefeuille va grossir, mais l'emprunt que j'ai fait aussi, ça va grandir. Mais vu que je suis dans le même actif, je ne vais pas être impacté par le marché. OK? Même si ça descend, je serai pas liquidé, quoi. Je serai pas liquidé. C'est-à-dire, la liquidation intervient sur la nature de l'actif et de la valeur de l'actif que vous avez emprunté. Si je viens de soumettre du BUSD, je décide d'emprunter du BNB et que, bon, la valeur à laquelle j'ai emprunté le BNB actuellement, et si demain le BNB augmente un peu trop, mais le collatéral que j'ai soumis ne va plus suffire à couvrir le BNB que j'ai acheté, que j'ai emprunté. OK? Donc, ça fera que si je soumets un actif stable en tant que collatéral et que j'emprunte à l'opposé un actif volatile, donc si cet actif volatile se retrouve à la hausse et que mon collatéral ne suffit plus à couvrir le prêt que l'emprunt que j'ai fait là. Donc, je serai liquidé. Vous voyez? Donc, d'où le facteur de liquidation qu'il faut surveiller, qui est de 75% de la valeur, de la valeur qu'on a soumise. Et on ne peut qu'emprunter jusqu'à 75% ou maximum. Il y a des plateformes qui le permettent, au maximum 80% de ce qu'on a mis comme collatéral sur la plateforme. Voilà. C'est un peu, c'est pas, je répète un peu ça, mais juste pour vous faire comprendre que c'est vraiment important. Tu le vois, il y a des gens qui se font liquider parce que le marché ne va pas les attendre, quoi. Il y a des gens qui soumettent des actifs volatiles et qui empruntent des actifs stables qui se font liquider. Il y a aussi des gens qui soumettent des actifs stables et empruntent des actifs volatiles et qui se font liquider. Il y a aussi des gens qui soumettent des actifs volatiles, empruntent des actifs volatiles et qui se font liquider aussi. Okay? Donc, tout dépend de la nature et de la valeur de ce que vous avez mis comme collatéral et de ce que vous allez emprunter derrière. Okay? Voilà. Là, j'ai mis du stablecoin. Le plus judicieux pour moi ici, ce serait d'emprunter encore du stablecoin pour ne pas être liquidé, quoi, pour ne pas être exposé. Au prix de l'actif que je vais emprunter. Mais ici, je vais prêter quoi, taux négatif. Je vais encore prêter, emprunter du BUSD ou de l'USDT. On va faire de l'USDT. On va changer un peu. On va changer un peu pour emprunter de l'USDT. Donc, j'ai soumis, si vous vous rappelez ici, j'ai soumis quoi, 135 à la plateforme. Je peux emprunter jusqu'à 108 dollars du USDT hein, de la plateforme pour les utiliser ailleurs. OK? Voilà. Donc, je décide d'emprunter de l'USDT. Je mets par exemple, disons, mettons par exemple 50. 50. 50 USDT que je veux emprunter. Donc, du coup, récapitulatif de ma commande. Donc, le taux d'emprunt est de moins 6,99% et je bénéficie d'une distribution gratuite de XVS par la même occasion de 0,77%. Et donc, la limite, bien le seuil d'emprunt que je vais utiliser, donc en soumettant 50
USDT à la plateforme comme emprunt est de 46%. Okay? Donc, je décide de borrow. Voilà. Suis en train de valider la transaction sur MetaMask. Voilà. Oh, c'est bon. Ça tourne d'ici quelques secondes. Ça va passer. Et voilà. Maintenant, au niveau de mon tableau ici, vous allez voir que j'ai prêté 50 dollars. J'ai emprunté 50 dollars à Venus pour les utiliser ailleurs. Et quand je vais partir sur mon MetaMask, normalement, je vais retrouver ces 50 dollars USDT là qui doivent être disponibles. Vous voyez ici, donc les 50 USDT sont bien disponibles sur mon wallet. Donc pour vous dire que ce sont des mécanismes assez automatiques. Dès que vous soumettez un collatéral, vous pouvez emprunter à hauteur de 75%. Bon, le seuil conseillé, c'est 75%. Même la plateforme vous le notifiera et fera le calcul automatiquement. Okay? Donc, j'ai 50 USDT ici que je peux soit envoyer sur l'exchange Binance ou sur n'importe quel autre exchange pour les utiliser comme je veux, quoi. Acheter un autre actif, les mettre en staking, acheter du cake, par exemple, et les mettre en staking, acheter du n'importe quoi comme crypto. Bon, si je dis n'importe quoi, c'est en fonction de la crypto que vous voulez, hein. Je peux aussi acheter du Kabola avec, voilà, pour les staker après, quoi, ou bien pour les holder sur mon wallet. Donc, pour vous dire que l'actif que vous empruntez ici vous appartient. Vous appartient, vous pouvez en disposer comme vous voulez. Et là, vous avez vu que depuis le début, je n'ai pas fourni une sorte de document ou bien de justificatif à la plateforme pour pouvoir emprunter de l'argent. Vous avez vu, il suffit juste que je mette un collatéral assez élevé en face pour pouvoir emprunter derrière. Parce que la plateforme, le smart contract derrière, ce n'est pas un humain. Lui, il n'a pas besoin de vérifier votre preuve de domicile, votre certificat de naissance, votre carte d'identité ou je ne sais quel justificatif pour pouvoir vous accorder un prêt. OK? Donc, ce sont des services financiers, comme j'ai dit, qui sont là de façon décentralisée et qui vous permettent quand même, en échange d'un collatéral que vous allez apporter sur la plateforme, de bénéficier d'une possibilité d'emprunt sur d'autres actifs que vous voulez détenir aussi. Okay? Donc, c'est un peu ça le processus de prêt donc, et d'emprunt d'une plateforme de lending. Voilà. Jusqu'ici, j'espère que l'explication passe bien et que vous voyez. Donc, je suis à 46% d'emprunt du montant qui a été mis ici. Okay? Donc, je ne peux que prêter jusqu'à hauteur de 100, 108 dollars. Et je peux ajouter mon solde ici après, ou bien soit te rembourser carrément. Si je décide de rembourser, dans le cas où je décide de rembourser, je viens sur l'USDT encore. Et puis, il y a cet onglet-là que vous voyez ici, Repay Borrow, c'est-à-dire je vais repayer l'emprunt que j'ai fait, c'est-à-dire le montant que j'ai pris de la plateforme, je viens le restituer et donc je retrouve la totalité de mon collatéral ici. Hein? Si je rembourse ce montant, je vais retrouver la totalité de mon supply ici. Et vous voyez que le taux qui me sera mis ici comme taux de rémunération va augmenter. OK? Donc, c'est un peu ça le processus d'emprunt et de borrow, de supply et de borrow. Voilà. Maintenant, il y a une autre stratégie, bon, que je ne vais pas forcément aborder ici, puisque je n'ai pas de vaille ou bien je n'ai pas d'ISVS pour le faire. Okay? Le vaille étant le stablecoin de la plateforme, à la même qualité que le BUSD, USDT ou bien l'USDC, le vaille a la même valeur donc, que le dollar. Donc, c'est un actif qui a été
qui a été mis sur le pegué, qui a été pegué sur le dollar, donc qui a la même valeur que le dollar. Okay? Un dollar dans la vie réelle est égal à un vaille dans la DeFi. Okay? Donc, si j'ai du, supposons que j'ai du vaille ici, donc du stablecoin, je peux venir ici et donc le staker et gagner des XVS ou bien des vailles supplémentaires. Okay? Je vais, on l'appelle le mint, c'est-à-dire, tu vois, on va générer, on va créer des vailles en soumettant une certaine quantité de vailles hein, sur à la plateforme Vénus. Okay? C'est une stratégie d'investissement aussi, mais je vais pas l'aborder ici puisque je n'en ai pas. Okay? Je n'en ai pas. Alors, après, il y a quoi? Il y a le voting comme sur les plateformes décentralisées. Le vote, ça permet d'offrir une certaine gouvernance sur le projet et permettre à la communauté qui opère sur le projet de faire de soumettre des améliorations ou bien des propositions de gouvernance, voilà, pour faire améliorer la plateforme de façon positive, voilà. Donc ici vous voyez il y a des propositions qui ont été faites. Donc ici on dit quoi? Increase cake borrow, c'est-à-dire augmenter le supply de l'emprunt au niveau du cake et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça permet de déléguer un peu plus le pouvoir de gouvernance sur le protocole. Donc le XVS en lui-même, bon. On peut checker les informations du token gouvernance ici. Ça, c'est son smart contract qu'on peut vérifier sur la Binance Smart Chain. Voilà. Là, vous voyez pas mon écran Binance Smart Chain. Mais le lien ici, vous pouvez le checker sur la Binance Smart Chain et vous verrez que c'est safe quand même puisque Venus, ça existe depuis un an, 3 mois, puisque c'est en septembre 2020 que ça a été lancé. Et là, on est en décembre 2021, et ça existe toujours. Et la market cap aussi, donc on est à 3 milliards, 3 milliards 177 millions quand même de fonds qui ont été déposés sur cette plateforme. Et vous voyez que c'est une plateforme assez sérieuse qui a une bonne supply. Et si ça vous intéresse aussi de faire un emprunt, de faire du lending ou du borrowing ici. Ouais, au lieu de laisser vos cryptos quand même sur vos wallets, ça peut être intéressant quand même. Voilà. Donc, j'espère que juste ici, ça passe et que vous comprenez bien le message que j'essaie de vous apporter ce soir. Et vous pouvez poser vos questions après, hein, si quelque chose n'est pas clair. Donc, bon, qu'est-ce qu'il reste à voir? Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Il y a d'autres, quoi, il y a quoi? Ça, c'est Transaction History. Ici, c'est le Vault. Je l'avais expliqué un peu en début de stream pour vous dire que c'est comme un pool de staking, OK? Vous venez ici, si vous avez du Vaille, vous le stakez. Donc, je vais défiler. Voilà, si vous avez du Vaille, vous le stakez pour gagner le token de gouvernance, le XVS. Ici, si vous avez le XVS lui-même, vous venez, vous le stakez et vous gagnez plus d'XVS. Okay? C'est, disons que c'est pareil comme sur les DEX, quoi, comme sur PancakeSwap ou sur BiSwap qu'on a fait la semaine passée. Donc voilà en ce qui concerne Vénus. Et donc, l'information que je vais partager pour terminer mon point avant de prendre vos questions, c'est juste qu'il faut faire attention au collateral factor, on appelle ça le collateral factor, le facteur collatéral. Quand vous empruntez, quand vous prêtez votre plateforme, vos fonds, vos cryptos à la plateforme de lundi sur laquelle vous vous trouvez, il faut faire attention au seuil d'emprunt qui a été mentionné sur la plateforme. Et en fonction de l'actif que vous empruntez aussi, il faut faire très attention. Là, je viens de supply. Du stablecoin, j'ai prêté du stable. Vous voyez que ça ne bouge même pas ici. Hein. J'ai toujours 50 ici. Ça ne bouge pas parce que c'est stable. Alors, imaginons que j'ai emprunté ici du BNB ou bien du LTC ou du BTCB.
Donc, vous allez voir que ce montant-là, ça va fluctuer ici à la valeur, parce que la valeur du Bitcoin, le Bitcoin étant, ou bien le BNB ou le SVS étant même étant un actif volatile, ça va monter comme ça va descendre. Et ça va influencer le taux d'intérêt ici et aussi le supply qui est ici. Au supply, soit il va diminuer, soit il va augmenter. Et donc aussi, ça va influencer immédiatement sur le collatéral facteur. Donc, sur le seuil d'emprunt que vous pouvez que la plateforme vous propose, auquel vous avez accès. OK? Donc, il faut faire très attention à ça quand vous prêtez votre crypto, vos patrimoines crypto à des plateformes de lending comme ça. Donc, il faut avoir le taux en tête. C'est maximum, je pense, maximum, le plus conseillé, c'est 75% de la valeur que vous avez apportée. Vous pouvez emprunter jusqu'à 75% de la valeur que vous avez apportée comme collatéral sur la plateforme. Donc, voilà, j'espère que ça va et que vous avez compris Vénus aujourd'hui et que vous pouvez déjà l'utiliser. Hein. Essayez avec des petits montants, j'ai l'habitude de le dire. Essayez avec des petits montants et maîtrisez le processus parce que le processus est plus important que le montant que vous allez mettre ou bien que ce que vous espérez gagner après. Parce que le processus, c'est ça qui vous permet de maîtriser quand même la plateforme et de l'utiliser à bon escient. Si vous ne maîtrisez pas le processus, c'est pas bon pour vous, quoi. Parce que vous allez non seulement perdre après si vous ne contrôlez pas ou si vous ne surveillez pas votre collatéral factor, vous allez perdre vos fonds. C'est-à-dire même une partie de vos fonds, je dirais. Puisque le code derrière, l'algorithme derrière, il va liquider directement une partie de vos fonds pour rembourser donc ce que vous avez emprunté. Si jamais ça ne suffit plus à couvrir ce que vous avez emprunté, il va liquider automatiquement parce que vous aurez dépassé le seuil d'emprunt ici. Il va liquider automatiquement et rembourser une partie de ce que vous avez emprunté par votre collatéral, quoi. Donc, c'est vraiment important à surveiller. Donc, moi, c'est bon pour moi. Et si vous avez des questions, allez-y, quoi. Voilà, c'est le moment de prendre des questions et de répondre à vos questions. Voilà. Voilà, donc c'est en fonction des opérations que vous voulez faire, en fonction de la stratégie que vous voulez mettre en place, vous pouvez le faire. OK? Vous pouvez utiliser la plateforme Vénus pour le faire, quoi. Donc, vos questions, si vous avez des questions, mettez dans le chat ou soit si vous voulez rejoindre le direct, vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien que je viens juste de mettre là dans le chat. Voilà. Donc, j'attends vos questions. Je prends une gorgée, j'attends vos questions. Apparemment, il n'y a pas de questions ou quoi? La plateforme Vénus a-t-elle déjà été piratée? Si oui, quel est l'incidence sur la liquidité et les opérations des utilisateurs? OK, bon, vous savez, à ma connaissance, elle n'a pas encore été piratée, mais je peux me tromper. Et pour éviter de vous dire des bêtises, on va partir sur le site sur lequel on peut retrouver les plateformes qui ont été piratées au moins une fois. Donc, je vais partir sur... attendez. Ça s'appelle rect.news. Je vais vous le mettre dans le chat là. Je vais vous le mettre dans le chat. Alors, rect. News. Pour vérifier si une plateforme a été piratée une fois.
Voilà, rect.news. OK, là, on va checker si Vénus a été piraté. Voilà, il n'y a pas une barre de recherche là pour vérifier. Attendez, non, je pense pas. Il y a 11 pages à vérifier. Donc, il y a FTX, Index, Compound. Voilà. Première page, il n'y a pas de Vénus. On espère qu'on ne va pas le trouver. Ah, parce que, à ma connaissance, ça n'a pas été piraté, mais je peux me tromper. Peut-être que je n'ai pas l'information. Donc, on vérifie ensemble. Hein. On vérifie ensemble. Donc, jusqu'à présent, on ne retrouve pas Vénus. OK, c'est bon signe. Spartan, EasyFi. Vérifie avec moi. Hein. Peut-être j'ai survolé là. Hein. Le temps, c'est de l'argent. Dodo, Mercat, Finance, Furu Combo. OK. Jusqu'à présent, on ne retrouve pas Vénus. Notant que Vénus a été créée, a été lancée en septembre 2020. Donc là, on est à janvier 2021. On ne l'a pas encore retrouvée. Donc, moi, je ne pense pas qu'on va le retrouver ici. Et donc, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt une réponse positive pour Vénus. Et ça n'a pas encore été piraté. Voilà. Voilà. Et dernière page. OK. Voilà. Donc, on ne retrouve pas Vénus ici. Donc, cela veut dire que Vénus n'a pas été piraté. Voilà. Vénus n'a pas encore été piraté. Et donc, il dit que tu as la réponse à ta question. Et bon, au cas où elle serait piratée, donc les utilisateurs, ils se verraient siphonner leurs actifs. Hein. Ils se verraient dépouillés, dépouillés par le hacker. Donc, voilà. Et j'essaie de retrouver la page Vénus. OK. Une autre question, les amis. Une autre question. Un ouf de soulagement. Ouais, ça n'a pas encore été piraté. Ça n'a pas encore été piraté. Et même si je vais sur DeFi Llama, normalement, on peut retrouver ces informations-là. Alors, DeFi Llama, comme je disais, c'est un peu l'encyclopédie DeFi. Si vous voulez retrouver une information sur une plateforme, sur un token, sur un contrat, voilà. Sur une blockchain, vous pouvez retrouver. Alors là, je suis sur DeFi Llama. Je clique sur la BSC et ça me recense toutes les infos de la BSC. Hein. Actuellement, il y a 21 milliards qui sont lockés sur la Binance Blockchain. Ah, intéressant. Et donc, comme je disais, en deuxième position, on a le Vénus. Donc, 3 milliards, comme on avait vu sur Vénus directement. Et donc, si je clique sur Vénus pour voir les infos de Vénus. Normalement, il y a des check des codes. Voilà. Là, ils ont leur GitHub. Le GitHub, c'est ce qui permet, bien, c'est la communauté où les développeurs viennent vérifier les infos par rapport au projet, leur contrat, les codes derrière, etc., etc. Voilà. Donc, ici, on peut voir les informations du Venus. Mais par rapport à l'audit, ouais, donc on me dit ici que l'audit, la plateforme a été auditée. Et donc, je ne sais pas si on peut vérifier, voilà. On peut vérifier Certique. On peut vérifier sur Certique. Voilà.
On est sur Certique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, audit report, swipe Venus protocol. Voilà. OK? C'est ce que je fais. Donc voilà, c'est une plateforme sûre, je dirais pas 100%, mais assez sécurisée quand même pour vous éviter le risque de, ou bien pour amoindrir le risque de perte de vos fonds. C'est mieux de le dire ainsi. Voilà. Donc vous pouvez vérifier toutes ces informations aussi, hein, de votre côté aussi. Voilà. OK. Vous pouvez prendre la parole. Moi, j'ai envie que vous preniez la parole puisque ça soit plus interactif, quoi. Parce que là, je parle depuis plus d'une heure. J'ai la gorge un peu sèche. Suis un peu fatigué de parler tout seul. Ouais, vous pouvez y aller, mais comme j'ai dit, en fonction de la stratégie que vous voulez mettre en place, ou bien en fonction de ce que vous voulez avoir comme intérêt, ou bien de la crypto que vous voulez avoir, ou je ne sais pas, des intérêts que vous voulez percevoir. Donc, si vous avez des stablecoins et que vous voulez prêter des volatiles, des actifs volatiles, il faut faire attention au collateral facteur. Parce que si ce que vous empruntez, si ce que vous empruntez prend plus de valeur, hein, jusqu'à dépasser le seuil d'emprunt que la plateforme vous autorise à avoir, vous serez liquidé. Ça, il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures, comme on dit souvent. Hein? Vous serez liquidé, pur et simple, quoi, parce que c'est un code derrière qui exécute les contrats. Et lui, il ne va pas attendre que vous remboursiez d'abord ce que vous avez emprunté pour vous laisser tranquille. Il va liquider directement votre position. Parce que ce que vous avez soumis en tant que collatéral ne suffit plus à couvrir ce que vous avez emprunté. OK? Donc voilà. Voilà, donc, tu veux m'en prêter point de vue. Ouais, il faut prêter. Et la dernière fois, on en parlait. Tu peux faire aussi du DCA dessus et prêter, prêter, prêter en mettant un certain montant. Chaque mois, donc en investissant par palier, et chaque mois tu mets un montant que tu prêtes, que tu prêtes, que tu prêtes, que tu prêtes, et ce montant cumulé sur l'année, ça te donne quand même un intérêt assez important. Voilà. Donc voilà les amis, moi c'est bon pour moi. Une dernière question. Attendez, il est quelle heure là? On prend deux questions encore et on se dit. On se souhaite bonne soirée. Déjà, il n'y a que deux j'aime. Moi, je ne comprends pas. Avec tout ce qu'on a partagé là, j'ai l'impression que vous n'aimez pas ceux qui sont sur Facebook et sur YouTube. Sur YouTube, je peux le voir après. Mais sur Facebook, n'y a que deux j'aime. Ok, Ren, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, ce sera un bon début d'année pour toi. Et tu pourras l'appliquer sur 12 mois. Voilà. Et si tu es assez discipliné pour le faire, tu verras toi-même les résultats, quoi. Parce que le DCA, c'est une stratégie qui paye toujours, quoi. Parce que peu importe la fluctuation du marché, peu importe comment le marché se comporte, toi, tu seras toujours. Parce que tu vises le long terme, tu seras toujours focus dessus et ça va payer, quoi. Ça va payer. Donc voilà. OK. Bon, bah, je pense qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. En tout cas, essayez quand même. Passez à l'action avec des petits montants, même si c'est 10 dollars, même si c'est 20 dollars, faites le lending et vous allez voir par vous-même. Parce que quand vous faites une fois, vous faites deux fois, ça sera mieux après. Et vous pourrez vous débrouiller plus avec des gros montants. OK?
Monsieur Tirogo, Lisa, le résumé, je sais pas, mais il y a le replay qui est disponible sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Tu pourras revoir après. OK? Voilà. Donc, le replay sera disponible pour visionner après. Alors, Edith, tu as tenté de joindre, mais essaie de revenir, parce que là, tu es reparti, je ne sais pas pourquoi. OK. Il y a Ren qui a gagné quelques cakes sur Pancake Swap, c'est bien. C'est bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est toujours bien d'avoir des retours de votre part, parce que ça voudrait dire, bien ça confirme le bien fondé de ces directs. Ça permet déjà à ce qu'on puisse voir ceux qui passent à l'action et qui ont des résultats. Voyez. Mais c'est bien. Félicitations, Arène. Félicitations à toi. Quand on passe à l'action, soit on en prend, bon, ça ne marche pas, et on apprend, et soit ça marche et on gagne, en fait. De toute façon, on ne fait qu'apprendre après. On ne perd pas vraiment, hein, quand on parle de crypto. On ne perd pas vraiment quand on applique bien. Si on applique une première fois que ça ne marche pas trop, bon, on aura vu la faille ou bien l'erreur qu'on a faite et prochainement, on ne va plus répéter, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y aura aussi, pour information, bon, on est déjà à la fin d'année, mais début 2022, on va mettre en place notre formation quand même sur la DeFi, sur la crypto. Et avec tout ce qu'on partage ici, imaginez le contenu là-bas. Parce que tout ce qu'on partage ici, ce n'est rien comparé à ce qu'il y a dans la formation. Puisque ce sera plus approfondi, plus fourni, et vous verrez par vous-même que ce sera du lourd. Voilà. Alors, Edic, salut, tu peux parler, hein, tu peux parler. Vas-y, on t'entend. Bonsoir, Kwame. Oui, bonsoir, Edic, ça va? Oui, ça va très bien. Suite à vos explications aujourd'hui, je suis en train de voir une stratégie. Je me dis, par exemple, je prends un exemple, je veux acheter, je pose du Bitcoin pour 100 dollars. Donc, je mets 100 dollars dans la crypto-monnaie. Au lieu d'acheter directement le Bitcoin pour 100 dollars, je peux prendre les 100 dollars peut-être en BUSD que j'ai, que j'amène sur Vénus. Et par rapport à ça, je fais le prêt, puis en contrepartie, je peux emprunter 115 dollars. Et ces 115 dollars que j'ai en stablecoin, je peux maintenant prendre ça et acheter du Bitcoin. Et maintenant faire du staking ou bien autre opération et gagner donc doublement en fait. Ou bien c'est pas possible. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah ouais, bon, je pensais que tu affirmais, je savais pas que c'était une question. Ouais, Non, c'est c'est possible. juste une C'est possible question. de le faire aussi. En fait, au lieu d'acheter un actif directement et de posséder cet actif juste dans son wallet, et de gagner sur le prix futur, sur la montée future du prix de l'actif. Mais tu peux le mettre, comme toi-même tu as dit, tu as bien compris, tu peux le mettre en collatéral ici sur Vénus ou bien sur notre plateforme de lending. Et tu empruntes jusqu'à hauteur de 75% de ce que tu as mis. Et donc, pour acheter du Bitcoin là. Et ou bien un autre actif que tu pourras mettre en staking. Et donc, gagner doublement. Okay? Il suffit juste de. En fait. En fonction de ce qu'on veut gagner, je crois que les stratégies, ça vient un peu tout seul. Et il suffit juste de bien y penser et de voir les possibilités qui s'offrent à nous, que ce soit en DeFi ou bien que ce soit sur les exchanges centralisés. Et puis vous appliquer directement, quoi. Là, ce que tu viens de mettre, ce que tu viens de dire, c'est une bonne stratégie. Parce qu'au lieu d'acheter uniquement du Bitcoin avec les 100 dollars là et que tu seras exposé, qui t'exposera plus au prix du Bitcoin. Si ça, supposons que actuellement c'est à 46, 47 000, tu l'achètes aujourd'hui à 100 dollars, avec 100 dollars, ben, demain ça peut diminuer, ça peut augmenter aussi, qui sait? OK? Mais au lieu de faire ça,
c'est mieux, comme tu as dit là, tu as très bien pensé ça, de venir ici de faire un supply. Et donc, après, tu fais un borrow à hauteur de 75%, donc 75 dollars que tu mets dessus, que tu mets après pour acheter ce bitcoin-là. Donc, je pense que tu gagnes doublement. Et avec le taux ce que tu gagnes ici en tant que apporteur de liquidité, voilà, apporteur de liquidité qui fait un lending. Alors, tu gagnes ça et tu gagnes aussi sur la valeur future du bitcoin. Et ça va même te permettre après, je pense, pour rembourser ton emprunt si jamais le bitcoin explose à la hausse et tu récupères tes gains et tu viens. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, tu auras gardé Ok, ton super. les 100 dollars d'origine et tu auras plus gagné aussi sur l'emprunt que tu as fait. Donc, voilà un peu l'avantage des plateformes de lending, hein. Un des avantages majeurs de plateformes de lending. C'est Voilà. formidable parce que personnellement, dans la défi, je ne faisais que du staking, mais là, avec ce que vous avez présenté aujourd'hui, je vois que c'est vraiment vaste et puis c'est une opportunité. Donc, merci beaucoup. Merci. Ouais. Non, la DeFi, c'est vaste et comme j'ai dit, il faut s'exercer de temps en temps, faire ses recherches, découvrir des plateformes aussi qui sont assez sécurisées, qui sont assez crédibles par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place, il faut vérifier les contrats, etc., etc. Je pense que ce n'est qu'en faisant ça qu'on arrive à mieux s'autonomiser, en fait. Donc, voilà, il faut s'exercer, il faut faire ses recherches, s'exercer, etc., etc. Et aussi suivre certains canaux, l'actualité, comment est-ce que le marché fonctionne, bien évolue, quelles sont les informations qui se passent, quels sont les événements qui peuvent influencer le prix de la crypto, etc., etc. C'est cet ensemble de facteurs d'information qui régissent le fonctionnement des cryptos. Et quand tu suis tout ça, et surtout en voyant les choses sur le long terme, j'insiste toujours sur le long terme, en voyant les choses sur le long terme, ça finit toujours par payer. Toujours, toujours pas payé. Le long terme, c'est toujours ça. Voilà. OK. Une dernière question pour qu'on termine. Une dernière question. Ou soit un témoignage encore, comme Ren a l'habitude de le faire. Ren, j'ai l'impression que l'autre Ren ne fait que gagner, en fait. Elle ne fait que gagner un crypto. Ouais. Mais c'est bien, ça fait plaisir parce que au moins ça prouve à suffisance que ce qu'on partage, c'est pas, ça tombe pas dans des oreilles, dans des oreilles sourdes et que ça vous permet de vivre la révolution cryptographique. À sa juste valeur, à votre niveau quand même. On n'a pas besoin de gagner des millions. Hein. Il suffit d'une fois. Il suffit juste de gagner 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, 100 dollars une fois. Et vous allez voir que, en fait, vous allez tout voir, tout le décor, quoi. C'est comme si vous étiez en mode zoom sur quelque chose et vous avez zoomé pour voir tout le tableau. Okay? Donc, c'est ça. Ah ouais, doucement, 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 doucement. Il faut aller petit à petit avec les moyens dont on dispose et vous verrez que en appliquant les choses comme il faut, ça va passer. Ça passe toujours. Voilà. OK. Bon, les Par amis. rapport à Rennes, Oui, dis-moi. Allô? Oui, par rapport à Rennes, moi je suis particulièrement content et cela prouve que, en fait, dans la défi, ce n'est pas forcément des tonnes de théorie. Déjà, avec ce que vous partagez, de façon pratique, on peut toucher du doigt, en fait, les avantages de la défi. Donc, franchement, Rennes, félicitations à toi et je suis vraiment content pour toi.
Ren, il a dit qu'il est content pour toi et voilà. Petit à petit, je pense que ça va passer. Beaucoup de personnes comprendront quand même. En fait, ce que je voulais dire, ça m'a échappé. Ça va me revenir. Donc, les amis, je pense que ça va. Est-ce que vous avez apprécié ce direct? Partagez à ceux qui pourraient être aussi en bénéficier. Je pense que vous êtes dans des différents groupes, que ce soit sur Telegram, WhatsApp, etc., où on parle de crypto, etc. Et ce genre de contenu peuvent être bénéfiques pour beaucoup de personnes. Okay, donc, ne gardez pas l'information pour vous, partagez et faites, comme le dirait quelqu'un, pratiquez l'économie de la connaissance, quoi. C'est-à-dire, la connaissance est comme une bougie. Quand vous prenez une bougie allumée pour allumer une autre bougie, elle n'en perd pas de sa clarté, ni de sa flamme, en fait. Okay? Donc, ça va contribuer à alimenter quand même la connaissance en crypto chez beaucoup de personnes. Et non seulement vous partagez cette information, mais vous n'allez pas le perdre et vous allez le dupliquer, en fait. Allez. Quand on partage une connaissance, on la duplique et on garde toujours la même connaissance. Mais quand on partage quelque chose de matériel, on ne l'a plus. Dès qu'on l'a donné, on ne l'a plus. Okay? Donc la connaissance, on est dans un rapport de partage et essayez de faire aussi, de remplir votre part en permettant à d'autres personnes dans votre communauté, dans vos différents groupes, que ce soit sur Facebook, Telegram, etc., tout ce qu'il y a comme réseau social, pour permettre à d'autres personnes aussi d'en profiter. Okay? On ne sait jamais qui pourrait en avoir besoin. Ok, bon, moi, c'était ma part, c'était pour moi, et j'espère que ce contenu vous a plu, et on se donne plutôt rendez-vous. Ah, aujourd'hui on est le 29. Demain, on a normalement un autre direct, un stream sur le mindset et l'éducation financière. Mais mon partenaire Ghislain, il va partager, il va organiser, il va animer un direct sur le même thème, mais plutôt ce sera mindset et bilan de fin d'année et perspective pour l'année à venir, parce que en fin d'année, c'est toujours bien de prendre du recul et de voir tout ce qu'on a pu faire durant toute l'année précédente et de se projeter dans l'année suivante pour grandir et devenir meilleur que ce qu'on est, que ce qu'on a été durant l'année précédente. Okay? Donc, ce sera demain jeudi à 21 h. Pour ceux qui sont dans nos différents groupes, on va partager l'info. Et normalement, vous avez normalement reçu des mails. Je sais pas si vous l'avez reçu ou pas, par rapport à l'événement de demain. Sinon, on va partager dans les différents groupes pour que vous soyez informés. Donc, demain, il n'y aura pas l'éducation et le mindset financier, mais ce sera plutôt mindset et puis perspective pour l'année 2022 à venir et la conduite à tenir, etc. En fait, des petites astuces qui vous permettront de rentrer dans la nouvelle année avec beaucoup de, comment dire, ouais, avec beaucoup de bonnes choses dans la tête et de la bonne disposition mentale, etc., pour réussir cette nouvelle année qui va venir. Donc voilà, les amis. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps de se pointer ce soir. Et c'est toujours un plaisir de partager avec vous. On se donne donc rendez-vous demain pour le direct de Gislain. Voilà. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Voilà. Au revoir. Que la crypto nous garde.